Bonjour à toutes et à tous, et en ce compris les personnes qui me suivront en différé via l'enregistrement. Je comprends effectivement qu'on a dû légèrement déplacer, avancer l'heure de cette seconde leçon que j'ai intitulée Bioplastique et exclusion réactive lorsque l'outil de l'ingénieur devient celui du chimiste. Et qui se traduit en anglais, puisque tous les slides seront en anglais. Je les ai adaptés étant donné que la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'on m'avait demandé de donner mon exposé en anglais. Et bon, j'ai repris l'entièreté des slides, comme vous verrez, en anglais. Reactive Extrusion, REX, as I like to call it, comme j'aime bien l'appeler. Green Processing Tool for Bioplastics. Alors la première question qu'on peut se poser, pourquoi l'exclusion réactive? Quel est l'intérêt de cette exclusion réactive? Et en fait, pour exprimer cet intérêt, je vais le formuler sous forme d'une question, c'est-à-dire comment la production et la mise en œuvre de matériaux polymères peut être intégrée dans un process one stage. Vraiment, qu'on vous allez voir continue en une phase, mais qui peut être multi-étapes, pardon, comme nous allons le voir. Alors, pourquoi l'extrusion réactive, et plus particulièrement dans le domaine, cette fois, des bioplastiques, hein, je vous rappelle la définition des bioplastiques, hein, soit d'origine renouvelable, carbone contemporain non fossile, soit biodégradable, dans des conditions bien précises, telles que nous l'avons vu il y a une semaine, soit les deux. Les deux peuvent être combinés, on peut avoir des matériaux organiques polymères, biobasés, biosourcés, qui présentent cette caractéristique de biodégradation. Alors pourquoi, personnellement, il y a déjà maintenant près d'un quart de siècle, je me suis intéressé à cette extrusion, et plus particulièrement cette extrusion réactive, où l'extrudeuse devient l'outil du chimiste, essentiellement pour deux aspects. Pour permettre d'élargir, d'amplifier l'utilisation de ces bioplastiques comme matériaux communs, comme commodity materials, matériaux dits de commodité, de grande diffusion, et entrer en compétition, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas économiquement parlant, avec des matériaux polymères plus conventionnels, pétrochimiques donc, qui sont, vous voyez, ce matin j'ai mis cheaper, entre guillemets, moins cher, mais avec le coût croissant du baril du pétrole, cette concurrence est de moins en moins marquée. Et d'ailleurs, pour certains bioplastiques, eh bien, à l'heure actuelle, le coût plus élevé du pétrole joue en faveur de ces bioplastiques. Mais également permettre surtout ce scale-up commercial industriel. Comment booster un bioplastique qui sort de l'échelle laboratoire, du pilote industriel, à vraiment la grande production, grande échelle, de plusieurs grammes, kilogrammes à l'échelle laboratoire, à plusieurs centaines, voire milliers de tonnes à l'échelle industrielle. Je vais essayer de témoigner avec des travaux que nous avons réalisés à l'Université de Mons, à Materanova, mais également en collaboration, j'aurai l'occasion de le citer au fur et à mesure de l'exposé aujourd'hui. Ce sont des travaux qui, comme je vous le dis, remontent il y a près de 25 ans maintenant pour les tout premiers. Alors l'extrusion réactive, REX, hein, Reactive Extrusion, c'est vraiment une voie pour moi extrêmement riche, attractive pour la mise en œuvre des polymères, incluant à l'origine, et nous allons le rappeler, le mélange à l'état fondu, mais également la dispersion de charges. C'est vraiment le premier objectif finalement de l'extrusion en tant que telle. Mais nous allons utiliser, au-delà de ce mélange, au-delà de cette aptitude à disperser les charges, cette extrusion de manière réactive pour opérer des réactions chimiques
qui peuvent être de simples modifications chimiques comme du branchement, de la fonctionnalisation en bout de chaîne polymère, le long de la dorsale polymère, ou encore, et ça c'est assez original, puisqu'à l'époque il n'y avait quasiment pas d'exemples dans la littérature scientifique et encore moins industrielle, vraiment des réactions de polymérisation ou de copolymérisation tout au long de ce process d'extrusion qui devient vraiment un réacteur continu. Alors, quels sont les avantages? Vous allez rapidement le comprendre au fur et à mesure des slides qui vont s'égrener. Mais c'est un procédé sans aucun solvant. Donc, pas de solvant. Rien. Pas de solvant, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les sécher dans un, lorsqu'il y a réaction chimique nécessitant de travailler sous l'atmosphère anhydre, à l'abri de toute source pouvant conduire à l'hydrolyse du polymère lui-même, par exemple, ou du catalyseur ou de l'amorceur utilisé. C'est un procédé continu. Et vous voyez, quand on parle de réaction de polymérisation, on va du monomère, soit de fondu, soit de liquide, jusqu'au polymère et même jusqu'au produit fini. Le film, le tube, l'objet moulé, calandré, puisqu'on peut intégrer tout le process de la synthèse macromoléculaire jusqu'à la formulation et la mise en œuvre et la mise en forme finale de l'objet. Et on y est aujourd'hui, je peux déjà vous le dire sans la moindre hésitation. On a un contrôle sur le temps de résidence dans l'extrudeuse, qui est en fait le temps de réaction, lorsqu'on parle d'une réaction chimique en continu, et de la distribution de ce temps de résidence. Et vous allez voir qu'on peut aller de quelques dizaines de secondes à quelques minutes, généralement au maximum une vingtaine de minutes, mais souvent le process d'extrusion réactif, c'est quelques minutes, de 2 à maximum une dizaine de minutes. Donc c'est un procédé extrêmement rapide, où il n'y a pas de solvant, et tout ce que vous rentrez, vous devez sortir. C'est ça aussi, il n'y a pas de sous-produit, en d'autres termes, mis à part des produits volatiles que l'on peut piéger, comme nous le verrons, et souvent ce sont des produits volatiles inertes, tels que de l'eau, par exemple, résultant d'une hydrolyse contrôlée. Et comme je l'ai déjà dit plus haut, on peut intégrer tous les flux d'extrusion tout au long du process de polymérisation. On peut ajouter au début, au milieu, en termes de l'extrusion, des comonomères, des additifs, des stabilisants, des catalyseurs, des inhibiteurs, des agents moussants, toute cette possibilité de modulation connue dans l'extrusion conventionnelle est applicable dans l'extrusion réactive. Donc c'est un outil, ma foi, de grande richesse et qui, nous allons le constater, est déjà connu depuis pas mal d'années, même d'ailleurs dans le caractère réactif, mais pas vraiment pour faire de la polymérisation, pour faire de la fonctionnalisation. Un des grands classiques connus depuis maintenant près de 35 ans, voire 40 ans, c'est ce qu'on appelle la malléation des polyoléphines, le greffage d'anhydride malléique sur du polyéthylène ou du polypropylène pour fonctionnaliser, pour polariser, pour rendre réactifs des macromolécules aussi neutres et inertes que des polyoléphines. Mais vous verrez, je vais témoigner de ça avec des bioplastiques, la réaction de malléation, donc de greffage d'anhydride malléique sur, ici, des bioplastiques et non pas des polyoléphines. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon industriel des industries des polyoléphines, le MAGPE, Maleic Anhydride Grafted Polyethylene, ou MAGPP, Maleic Anhydride Grafted Polypropylene. Et vous allez voir qu'assez rapidement, on a extrapolé ça sur d'autres matériaux polymères que des polyoléphines, nettement plus thermo- et hydro-sensibles, hydro- and thermo-sensitive polymers, que sont, par exemple, des polyesters aliphatiques connus pour être biodégradables. Alors, ces extrudeuses aujourd'hui sont surtout utilisées parce qu'ils permettent de contrôler jusqu'à une certaine mesure le transfert de masse, mais aussi de chaleur.
Parce que si c'est un problème, lorsqu'on mélange des matériaux, on est à l'état fondu, on est généralement à haute température, hein, proche voire supérieure à 200 degrés Celsius, et sur un temps court, hein, un process, je vous l'ai dit, de quelques dizaines de secondes à quelques minutes, on est à haute température, et donc il faut être capable de contrôler ces flux de matière fondue et les flux de chaleur, surtout lorsqu'on disperse, par exemple, des charges minérales qui peuvent contraindre, influencer ces flux de matière, mais également de chaleur. Et n'oublions pas que comme on est à l'échelle fondue avec des matériaux macromoléculaires, de haute masse molaire, on a la difficulté de la viscosité qui peut être atténuée ou augmentée au fur et à mesure du process, d'autant plus qu'il est réactif. Et donc ce contrôle de la viscosité est vraiment un challenge qui, par le biais de l'extrusion qui plus est va être réactive, peut être plus ou moins maîtrisé. Donc regardez simplement, lorsque vous avez un monomère liquide qui est converti en un polymère dont la longueur de la chaîne moyenne, la masse molaire moyenne en nombre, peut dépasser 100 000 grammes par mole, on passe vraiment d'une huile à un matériau extrêmement visqueux qui ne s'écoule plus et donc on doit vraiment le forcer. C'est pour ça que dans des extrudeuses, on peut atteindre des pressions de plusieurs dizaines, 60, 70, 80 bars, juste avant la sortie de filière. Ce qui est d'ailleurs un avantage. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc vous voyez, on peut avoir des variations de viscosité à hauteur de 10 exposants simples, ce qu'on ne pourrait pas contrôler dans un mode réacteur type batch, avec une pale d'agitation mécanique, je ne parle même pas de magnétique, c'est incontrôlable et donc ingérable. Le temps de résidence, je vous l'ai dit, est extrêmement court, et ça c'est intéressant, particulièrement lorsqu'il s'agit de polymères thermo-hydrosensibles comme des bioplastiques ou des plastiques biodégradables. Plus le temps à haute température sera court, moins de risques vous aurez d'induire une thermodégradation. C'est évident. Donc, un meilleur contrôle sur, entre guillemets, l'intégrité du polymère ainsi produit, ainsi transformé, ainsi synthétisé. Plus besoin de revenir sur le problème des solvants, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin d'équipement pour récupérer le solvant, le recycler, le ressécher, le cas échéant. Donc, un coût nettement plus réduit de la production. Et, last but not least, je le répète, la possibilité de produire des polymères dans la forme finale telle que souhaitée. Un film calandré, un film soufflé, un matériau extrudé, hein, ou injecté. Donc, tout ça peut directement être relié en ligne. Alors, ligne extrudeuse, pour les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec, c'est très simple. Hein. Le corps de l'extrudeuse, c'est ici en 4, hein, c'est le 4, je vais y revenir. C'est l'unité de mise en œuvre, c'est le cylindre ici, le barrel, dans lequel vous avez une ou deux vis d'extrudeuse, des vis Archimède, mais où la configuration de la vis, je vais passer un peu de temps là-dessus, je crois que ça même, il faut bien réfléchir, c'est pas simplement un outil qu'on achète clé sur porte, non, on adapte le profil, la configuration des vis d'extrusion pour justement pouvoir accommoder au mieux le process de mise en œuvre, la réaction chimique que l'on veut conduire en continu. Vous avez évidemment un moteur d'entraînement, vous avez évidemment tout est contrôlé thermiquement, vous allez voir, on a des zones, ici on peut avoir des systèmes, une dizaine de zones contrôlées en température. Donc je vais vous montrer vraiment ici par exemple, une extrudeuse qui est simple vis, une seule vis. Ici, vous voyez, c'est vraiment un type vis d'Archimède. Ici, c'est le profil uniquement de conveying. On alimente ici et on va convoyer jusqu'à la tête de filière le matériau fondu. Ça, c'est le type d'équipement que nous avons au laboratoire. Alors, il est clair aussi que lorsqu'on parle d'extrusion, blending, mixing are keywords.
les mots-clés, c'est vraiment être capable de mélanger de manière la plus homogène, hein, dans l'ensemble du volume, les additifs que l'on veut mettre en réaction ou tout simplement disperser lorsqu'il ne s'agit pas d'une exclusion réactive. Alors, deux grands types d'outils, la simple vis ou la double vis. Je vais beaucoup m'attarder sur ce qu'on appelle en anglais twin screw extruders, hein, des vis jumelles, hein, et vous allez voir que ce single screw extruder, je l'ai déjà dit sans entrer dans le détail dans ma brève introduction sur le slide précédent, c'est surtout des extrusions qui sont là pour permettre, avec un mécanisme de convoyage, par des forces frictionnelles dans le matériau solide mais fondu, à haute force de viscosité, au travers de cette zone de remplissage jusqu'à la tête d'extrusion. Hein. Et donc, on va vraiment fondre le matériau, ou les matériaux polymères, pour les mélanger les uns aux autres. Vous savez que la règle générale qui prône les mélanges polymères, c'est que deux polymères de nature chimique différente sont non miscibles. Ils ne scindent pas. Hein, c'est comme de l'huile et de l'eau et des mix. C'est la même chose ici, si ce n'est qu'on a des matériaux de très haute viscosité. Ils vont vouloir former des phases distinctes l'une à l'autre. Mais une manière de forcer néanmoins ce mélange et l'amener à l'échelle micrométrique, c'est de jouer sur de l'énergie de cisaillement, l'énergie thermique et donc l'utilité de l'extrusion simple vis. Et donc cette extrusion simple vis est surtout industriellement utilisée pour des jobs, des emplois extrêmement simples, comme du simple mélange, de la plastification, l'addition de molécules organiques de faible masse molaire dans un polymère, de manière à réduire sa température de transition vitreuse, hein, vraiment de la plastification, ou encore produire après melting, après élévation de température au-dessus du point de fusion si le polymère est semi-cristallin, ou à une température adaptée et une viscosité réduite, permettant de produire des films, des tubes, des profilés, etc. C'est vraiment un procédé très classique pour des simple jobs, vraiment, que l'on retrouve dans l'industrie. L'extrusion réactive ne fait pas appel à cette single screw extrusion. L'extrusion réactive, elle fait appel à double vis, aux extrudeuses double vis. On retrouve de nouveau des mécanismes de convoyage classiques, mais surtout en jouant sur la configuration géométrique des deux vis, j'y reviens dans un instant, on va être capable d'exercer des jobs beaucoup plus complexes sur le fait qu'on va être capable de contrôler de manière relativement précise, vous allez voir, le temps de résidence, la distribution de temps de résidence, mais également l'aptitude à mélanger les additifs, surtout lorsque ceux-ci se veulent être réactifs. On va avoir des capacités de transfert de masse et de chaleur encore supérieures à ce que sont capables d'offrir les extrudeuses monovis, simple vis. Et ici, vous allez voir que cette extrudeuse double vis, elle va être utilisée pour des tâches beaucoup plus complexes, comme de l'homogénéisation, la dispersion de pigments colorés, par exemple des colorants, différents additifs. Par exemple, ça peut être des absorbeurs UV. Parmi toute la multitude d'additifs que vous pouvez avoir, faire des alliages, des compounding réactifs. Voilà, par exemple, on a une charge minérale, inorganique, vous avez un polymère hydrophobe, organique forcément, il ne scinde pas, mais on va opérer une réaction interfaciale entre la surface de la charge et le polymère. Je vous donnerai des exemples. C'est ça qu'on appelle le reactive compounding, de la dévolatilisation. Par exemple, on utilise cette méthode pour faire des mousses de polyuréthane. Et donc, il y a un évent juste avant la filière permettant d'extraire
par exemple du CO2 ou de l'eau résultant de réactions de décarbonisation ou d'hydrolyse. Aussi les phénomènes de concentration, si vous éliminez un gaz, ben vous concentrez évidemment, et réactions de polymérisation, j'y reviens dans un instant. Et donc, c'est vraiment l'outil par excellence du chimiste ou de l'ingénieur, et ou les deux, qui vont s'impliquer en REX, en extrusion réactive, je dirais la quasi-totalité de ce qui est décrit dans les brevets, dans les publications scientifiques et dans les procédés actuellement industrialisés de cette REX se font en extrudeuse double vis. Alors, quand on parle d'extrudeuse double vis, il y a deux types d'extrudeuse double vis. Vous voyez, j'affine un peu mon propos. Il y a les extrudeuses double vis co-rotating, la rotation des deux vis se fait dans le même sens, ou counter-rotating, dans des sens opposés. Les vis tournent l'une vers l'autre, tandis que dans le co-rotating, tournent tous les deux dans la même direction. Et plus précisément, pour les co-rotating, ici, vous allez avoir un cisaillement essentiellement radial, mais extrêmement élevé, avec un effet de plastification. Ce n'est pas tellement ce qu'on cherche au niveau réactivité, au niveau réaction chimique. Et je vais de nouveau en témoigner. C'est un fait de plastification. Par contre, ce que l'on cherche, c'est ce cisaillement radial qui va permettre de mettre ensemble, de faire rencontrer, provoquer des chocs dits efficaces entre les molécules que nous voulons faire réagir mutuellement. Et donc, à côté de cette extrudeuse double vis co-rotative, on va retrouver aussi dans cette notion de co-rotation le fait que les deux vis sont intermeshed, vont s'entremêler de manière encore augmentée plus ce cisaillement radial. Alors vous avez le counter-rotating qu'on n'utilise pas, ou très 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 peu en extrusion réactive. C'est très rare. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir deux possibilités. Soit vous voyez ici, il y a interpénétration des deux vis, comme ici d'ailleurs, ou pas du tout. Et là, on comprend ici que là, plutôt que d'avoir un cisaillement radial, il sera plutôt axial, avec un plasticizing effect qui est toujours là aussi. Mais ce que nous cherchons surtout, c'est comme c'est la réactivité, on va préférer le cisaillement radial. Donc, quand on parle d'extrusion réactive, c'est du twin screw, c'est-à-dire double vis, co-rotating, interpénétré. Ça, c'est vraiment l'outil par excellence. Vous voyez qu'on affine finalement le type d'outil que l'on va utiliser. Vous avez ici, par exemple, un de nos équipements au laboratoire Amateria Nova, où on voit ici l'ouverture avec les deux vis, évidemment alignées parallèlement l'une à l'autre, qui sont interpénétrées. Vraiment, hein. Donc une vis ne peut pas tourner seule sans que l'autre vis voisine ne tourne elle-même. Elles sont co-rotating, elles tournent toutes les deux dans le même sens. Et on voit clairement ici des éléments de convoyage pour le transport du matériau fondu. Ça tourne à grande vitesse. En jouant sur la vitesse, on va jouer sur le débit, c'est évident. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des débits en fonction du diamètre des vis. Ça peut varier de quelques centaines de grammes à quelques dizaines de kilogrammes par minute, voire même industriel, centaines de kilogrammes par minute. Nous, au laboratoire, on court d'environ une trentaine de grammes pour le plus bas, même 10 grammes de capacité, jusqu'à une demi-tonne heure. On a une extrudeuse double vis co-rotative.
d'une capacité de 500 à 600 kHz, donc on fait vraiment quand même déjà du bon prototypage industriel. Donc vous voyez ici, lorsque le fourreau est fermé, on devine ici les deux vis. Et à chaque fois, vous avez, c'est modulaire, vous voyez, chaque module est contrôlé en température. À chaque module, vous avez un contrôle. Vous pouvez amener ceci, par exemple, à 200 degrés, le suivant à 210, le suivant à 190, 180. Donc on peut complètement jouer sur le profil de température, aussi profil de vis, comme je vais vous montrer, ce que n'est pas capable de faire dans un réacteur type batch, hein, type casserole. Ça aussi, c'est une grande différence. Et ça offre des avantages. Parce que si on contrôle la température, on contrôlera la réaction chimique et vous allez contrôler, le cas échéant, l'évolution de viscosité et l'évolution de pression. Alors, je vous ai dit, on contrôle le profil de température, mais on peut aussi contrôler le profil, la configuration des vis, des deux vis. Et cette configuration des vis, c'est une succession d'éléments de vis. Et on a trois types d'éléments de vis. Il y en a plusieurs, hein, mais j'essaie de la faire de manière simplifiée. Trois éléments de vis, hein, les kneading blocks, les mixing blocks et les going blocks. Les going blocks, on l'a déjà vu, hein, c'est vraiment quand vous avez une vis d'Archimède en tête, c'est ça. C'est faire avancer la matière fondue, hein, de l'orifice de remplissage jusqu'à la filière en tête d'extrusion. Vous avez les blocs, les éléments de mélange. Là, c'est pour affiner la distribution, voire même la dispersion de particules solides, généralement, dans un matériau polymère fondu. On va essayer de casser des agrégats de charge, par exemple du carbonate de calcium, sous le cisaillement mécanique à haute température dans ce matériau fondu à haute viscosité pour permettre de séparer les particules de base les unes des autres et les distribuer le mieux possible dans l'ensemble du volume à disposition de la matière fondue. Et alors vous avez ici les kneading blocks qui eux vont permettre encore de casser plus encore, hein, vraiment c'est là qu'on va avoir des phénomènes de shearing, de cisaillement mécanique extrêmement élevé, hein. C'est vraiment la volonté de broyer, si vous voulez, localement, la matière en présence du polymère fondu. Et donc tout l'art de l'ingénieur process de l'extrusion, qui va travailler évidemment étroitement avec le chimiste, hein, mais c'est de faire le design de la vis d'extrusion. Alors, on a suffisamment d'expérience, il y a des logiciels qui nous aident, hein, il y a un logiciel qu'on appelle Ludovic, qui a été développé en France, et déjà il y a quelques années, un peu plus de 20 ans maintenant, qui a subi des remises à niveau sur base des expériences là, et qui permet de dire, bah, tiens, pour tel type de matériau, avec telle viscosité, visant à telle distribution de matière, voilà le profil idéal. Et donc par modélisation, utilisant ce logiciel, ça permet d'atteindre de manière relativement bien ciblée le profil qu'il convient d'utiliser. Parce qu'on n'a pas la possibilité, je fais une extrusion, et puis ensuite, ah non, le profil n'est pas bon, je vais le changer. Parce qu'il faut refroidir, il faut nettoyer la machine, il faut ouvrir le fourreau. Donc, il est rare qu'on modifie le profil. Généralement, une fois qu'on a un profil, on le garde et on joue sur d'autres paramètres comme la vitesse de rotation des vis, le choix du profil de température, le débit, etc. L'endroit où on va alimenter l'extrudeuse, en vraiment tout début ou au milieu. Voilà, mais on essaie généralement, une fois qu'on a un profil, de le garder. Ou alors c'est vraiment de manière ultime lorsqu'on fait un upgrade, vraiment un upscaling en plus grande échelle, on se dit tiens, on aurait peut-être dû mettre un élément de mélange supplémentaire à cet endroit. Mais on ne joue pas trop là-dessus parce que c'est vraiment time consuming. Alors vous avez ici des photos, voilà ici, ben,
voyez, c'est vraiment. Ici, cet élément, il fait peut-être, je ne sais pas si le diamètre fait 25 mm, ben, vous voyez, ça, c'est des éléments de 2 cm. Et vous en mettez à la queue leu leu les uns derrière les autres. Mais la longueur de ces vis, elle peut aller, ça peut être. On a des vis chez nous dont le diamètre fait 18 mm, par exemple, je vous en montrerai. Mais la longueur des vis, ça fait faire 50 fois le diamètre. 50 fois 25 mm. Vous voyez déjà, hein, on commence à parler en mètres de longueur de vis. Et vous voyez ces éléments ici qui vont vraiment provoquer, parce qu'il faut se rendre compte que les deux vis tournent en même temps, et donc forcent la matière à avoir ce cisaillement mécanique. Il faut être prudent, parce que comme on est à haute température, il ne faut pas non plus dégrader thermomécaniquement le polymère. D'ailleurs, pour la petite histoire, on utilise des extrudeuses pour provoquer la thermodégradation mécanique des polymères, favorisant ainsi leur recyclage ultérieur. C'est aussi une voie, hein, entre guillemets, de revalorisation des matériaux après usage. Ce n'est pas l'objet ici. Alors là, j'ai pris une photo de nos vis, et vous voyez par exemple ici, vraiment organisées en séquence, les uns derrière les autres, comment vous pouvez agencer le long de des vis d'extrusion, les différents éléments. On retrouve ici un convoyage pour le transport. Puis ici, on voit du mixing, là on voit du kneading. On peut même faire du contrat à rebours pour renforcer la matière partiellement, revenir en arrière. On voit qu'on a inversé ici. C'est une manière de monter en pression du matériau localement. Ça va être l'idéal si on veut que la réaction chimique se fasse là. C'est vraiment le savoir-faire que nous avons au laboratoire. Et donc, comme je vous le disais, ici, ces différents éléments dans lesquels on retrouve les deux orifices, hein, c'est le fourreau pour la vis 1 et le fourreau pour la vis 2. On voit bien qu'ils sont interconnectés, ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Et donc, on joue sur ce profil de vis pour essayer d'avoir un contrôle. Là, j'ai été un peu fort en disant une heure, ça n'existe pas, sauf dans notre labo, pour essayer de comprendre ce qui se passe dedans. Mais généralement, c'est de 2 minutes à une dizaine de minutes. Et déjà 10 minutes, c'est beaucoup. Et donc, j'avais oublié que j'avais ce slide là, mais il est très utile parce que vous avez peut-être. Vous avez probablement entendu que j'utilisais le mot distribution et dispersion. Et dans le domaine des mélanges polymères, et singulièrement des composites polymères, c'est-à-dire de polymères chargés d'additifs solides, il faut bien distinguer cette notion de distribution et dispersion. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Une haute distribution et une haute dispersion. Mais souvent, on se limite uniquement à la distribution. Vous avez ici des dispersive mixing et des distributive mixing. Donc, distributive, c'est qu'il faut être capable d'occuper le maximum d'espace disponible dans la matrice. Et éviter d'avoir des zones totalement dépourvues de charge minérale. D'accord ? Mais ce qu'on pourrait avoir, c'est du distributif. On retrouve un peu partout des charges minérales, mais ces charges minérales sont toujours partiellement agrégées les unes aux autres. On retrouvera un peu partout des agrégats de charges minérales. Ça, c'est la distribution. La dispersion, elle est beaucoup plus localisée. C'est séparer les charges minérales les unes des autres. On casse les agglomérats, on casse les agrégats, mais on ne retrouve pas le résultat de cette fracture d'agrégat partout dans la matrice. Il reste des zones totalement dépourvues. Donc dispersion, je casse, je sépare les particules les unes des autres, d'accord ? Distribution, je distribue ces particules ainsi séparées partout où il y a du volume disponible. Et donc, on peut retrouver une bonne distribution, mais pas une bonne dispersion. Et à l'inverse, je peux retrouver une bonne dispersion, mais pas une bonne distribution. Et là, franchement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'aurai l'occasion d'y revenir dans 15 jours, à la troisième leçon, lorsqu'on parlera des nanocomposites.
Parce que cette distribution-dispersion est d'autant plus importante que la particule élémentaire solide, là, est petite. Et vous allez voir que là, on retrouve dans les brevets, la littérature, par exemple, dit « Regardez, j'ai atteint une bonne distribution, oui, mais la dispersion n'était pas bonne », ou inversement. Et les performances du matériau ultime vont strictement dépendre de cette aptitude à la fois à cette bonne distribution et à cette bonne dispersion. Et de nouveau, c'est tout l'art de la conception, de la configuration, mais aussi, si on est réactif, le feeling du chimiste, à quel moment la réaction doit s'opérer. Si ça s'opère trop vite, on va avoir trop vite une augmentation de viscosité, on va empêcher une bonne distribution. Donc voilà, c'est vraiment, ce sont deux métiers qui sont nécessaires l'un à l'autre, on ne peut pas les séparer. C'est pour ça que dans notre labo, on a autant d'ingénieurs qu'il y a de chimistes. C'est clair. Alors voilà, ici une illustration. Si j'ai le temps, un peu plus tard, dans mon exposé, j'utiliserai cette configuration. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter avec des configurations de vis, ce n'est pas mon objectif. Je vous dis, mais vous voyez par exemple ici, donc à droite, c'est là où on alimente l'extrudeuse, à gauche, c'est la filière, c'est là où le matériau extrudé est produit en continu. Donc ici, c'est pour un mélange dans le fondu, c'est pas réactif ici, entre de l'amidon plastifié, hein, c'est de l'amidon additivé de glycérol, tout simplement, ce qu'on appelle de l'amidon thermoplastique. Je vous dis, si j'ai le temps, dans la deuxième heure de mon exposé, je reviendrai sur cet exemple, avec un polyester synthétique. De souvenir, ça doit être du PBAT, polybutylène adipate terephthalate. Mais bon, voilà. Et donc, vous voyez ici, on alimente l'amidon. L'amidon est évidemment le glycérol. Hein. On le fond. Puis on alimente la matrice polyester. Le mélange se fait ici. On voit ces kneading elements. Avec un mixing ici. Voilà. Vous voyez ici, alors on a 200 kHz, puis 199 kHz de débit, donc c'est quand même une machine qui tourne. Et puis ici, on a une dévolatilisation. Pourquoi ? Parce que lors du mélange, la viscosité augmente tellement que l'amidon n'est jamais totalement sec au départ, sinon ce serait du pop-corn. Et donc, on ajoute du glycérol, mais le glycérol vient se substituer aux molécules d'eau qui sont évaporées. À l'approche de la thèse d'extrusion. Donc ici, on a une diminution de pression, c'est pour ça qu'on a un élément de convoyage, et puis ensuite, on arrive avec le système extrudé à la fin, et on peut en faire des films, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, vous voyez un petit peu, c'est un bel outil, qui est extrêmement modulable, peut-être trop modulable d'ailleurs, et c'est là où j'ai parfois des difficultés, c'est que l'ingénieur avait toujours envie de moduler. Le chimiste dit non, laisse-moi faire, je vais jouer sur la réaction, le choix du cata, la quantité, tel additif et tout. Et nous, on doit jouer entre les deux. Et comme jamais personne n'a tort, évidemment, dans cette histoire-là, eh bien, voilà, on va boire une bonne bière, et on essaiera ça demain, vous allez voir, ça va aller, les gars. Comme quoi. Mais c'est vrai, je rigole pas, hein, il y a toujours celui qui. On essaie toujours de tirer la couverture à soi par rapport à ses connaissances et son expertise. Pas facile, hein, pas facile. Alors là, par exemple, ici, j'avais fait faire une expérience avec Bruno Verniès en France, à Saint-Étienne. Et là, on voit ici, c'est une extrusion. Et puis on l'a arrêté, on a ouvert le fourreau. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment la matière se distribue. Et donc, vous voyez ici, au début, elle est sous forme de poudre, il faut élever la température. Et donc on se rend compte qu'il faut un certain délai pour que la matière fonde et commence à remplir les interstices des deux vis qui sont interpénétrés. On a un élément de convoyage, ici on voit les éléments de kneading, on broie, et donc là ce n'est pas totalement rempli, et puis ainsi de suite on peut suivre, là on se doute qu'il y a une volatilisation qui s'opère quelque part ici, et donc et ça tourne, vous imaginez, à plein régime, à plusieurs kilos, voire dizaines de kilos heure. Un de nos équipements, à Materia Nova, c'est notre colline.
Alors là, donc, chaque fois que vous allez voir des extrudeuses, elles sont double vis, core rotating interpénétré. Donc je ne vais pas montrer d'autres exemples et d'autres photos que des extrudeuses twin screw core rotating intermeshed. Donc ici, c'est la colline. Donc vous voyez, la longueur de la vis, ici, elle est quand même assez appréciable. Ici, on a un diamètre de vis de 3,5 cm. Ça, c'est le diamètre. Pour une longueur sur diamètre de 56. Donc la longueur, c'est 56 fois 3,5 cm. Donc on est à un peu plus d'un mètre et demi. La longueur ici, c'est un mètre et demi. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a un anneau ici, mais ce sont des zones différemment chauffées. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même petite ici, on peut dire 13 zones contrôlées en température, avec une température de consigne déterminée. Attention que la température de consigne, ce n'est pas forcément la température réelle du fourreau. Parce que s'il y a une réaction exothermique qui se passe, ben forcément la température locale sera plus élevée. Donc on a la température de consigne, et on a un thermocouple qui nous donne sur un tableau qui nous donne la température à chacune des zones. On peut avoir des capteurs de pression un peu partout. On peut même avoir des détecteurs, par exemple, infrarouges. On est capable, à certaines zones, de suivre l'évolution du milieu. Par exemple, on forme un ester au départ d'un acide carboxylique et un alcool. On va avoir une bande à 1725 cm moins 1 qui va apparaître en infrarouge. Ah, la réaction s'opère là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un réacteur modulable avec la possibilité de mettre des sondes de pression, de température, mais également de caractérisation d'évolution chimique, de signature chimique le long. Mais souvent, c'est pas vraiment long, c'est au milieu et en tête d'extrusion. Une autre extrudeuse que nous avons, probablement notre plus bel outil, dont le diamètre est assez particulier, c'est à 18 mm. C'est bien parce que c'est pas trop petit et c'est pas trop grand. Ça permet de manipuler quelques centaines de grammes jusqu'à, disons, maximum 10 kg. C'est bien, quand on travaille à l'échelle du kilo-heure et qu'on fait tourner ça pendant une demi-heure, ben vous comprenez qu'on a 500 grammes. Avec 500 grammes, il y a déjà moyen de pas faire pas mal d'études, que ce soit de caractérisation chimique, moléculaire, physico-chimique, thermique, mécanique des matériaux qui en résultent. Parce qu'à chaque fois, on fait des tests, évidemment, sur la rigidité, la flexibilité, la durabilité du matériau. Et donc, c'est vraiment un outil qu'on a développé en fait à l'époque avec la firme Lestrit. J'étais en négociation. Alors on voyait par exemple le genre de vis qu'on a ici. Hein, vous voyez, c'est assez avec des éléments, tous les éléments qu'on peut avoir, les modules ici pour le fourreau. Et donc ça, c'est un outil extraordinaire. Il nous permet de faire des choses exceptionnelles. Je ne vais pas relire tout ce que vous avez là, mais on peut quasiment tout faire avec. C'est l'outil que MacGyver aimerait bien avoir dans son labo. Franchement, c'est éblouissant. Et vous voyez ici, on en a deux d'extrudeuses comme ça. Une qui a un diamètre de 18 mm, les deux ont 18 mm. Mais un L sur D de 50 ici. D'accord. Et l'autre, la possibilité d'avoir des capteurs de viscosité. Ah, j'ai oublié de vous dire, on peut aussi suivre l'évolution de la viscosité, hein, un viscosimètre en ligne. De température, de pression et de proche infrarouge. Donc, on est totalement équipé. Et en plus de cette extrudeuse ici, on en a une deuxième, B, dont le diamètre, donc ça c'est l'extrudeuse principale, deuxième qui a le même diamètre, 18 mm là, mais une longueur un peu plus petite. Et dire pourquoi ? Ben parce que parfois on n'a pas besoin de temps de résidence aussi long. Mais surtout l'idée que j'avais eue à ce moment-là, c'était la possibilité de combiner les deux extrudeuses et faire du T-Rex. L'extrusion réactive en T. On connaît les deux extrudeuses en T. Quand j'ai eu l'idée du T-Rex, on s'est foutu de ma poire. Et maintenant, c'est devenu dans le langage populaire. Tu fais quoi du T-Rex? Quand je vous disais la dernière fois, je ne suis pas dinosaure, mais presque. Et voilà à quoi ça donne.
Donc ça, c'est la deuxième extrudeuse ici. Vous voyez, elle est un peu plus courte, hein, on a moins d'éléments chauffants, mais n'empêche. Elle sur des 40, 18 mm, et on la combine en T. L'extrudeuse principale est ici, l'extrudeuse satellite est là. Elle vient alimenter l'extrudeuse principale plus ou moins à mi-parcours. Et donc, on peut faire une réaction en première phase de l'extrudeuse principale de L sur D50. On peut faire une réaction ici. Et on peut faire une troisième réaction après la connexion ici en T. Et ça travaille en continu, hein, je vous le rappelle. Hein, 24 heures sur 24, on a fait des essais. Hein. Et vous allez voir le genre de manip et de production qu'on peut faire, irréalisable par n'importe quel autre moyen. Vous ne pourriez pas faire ça dans un réacteur type batch. Ça, c'est clair. Alors, vous voyez, c'est assez encombré, hein, parce qu'on a des tamis d'agitation qui permettent d'agiter la matière si elle est granulaire, avec des balances, évidemment, qui permettent de déterminer le débit d'alimentation. Donc c'est assez encombré, d'autant qu'ici, pour éviter de surcharger la photo, on n'a pas pris tous les équipements périphériques, comme par exemple proche infrarouge ou capteur de viscosimétrie que l'on peut brancher dessus. Donc c'est vraiment très très modulable. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et soyez rassurés, mon objectif n'est pas de passer tout en revue, c'est simplement prendre ponctuellement quelques illustrations. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller dans mon propos aujourd'hui, mais vous voyez, on peut faire des réactions de polymérisation. Je vais vous en donner une ou deux. On peut faire des réactions de contrôle de dégradation, je vous le disais tout à l'heure. Provoquer une dégradation contrôlée. Des réactions de réticulation. Alors pas réticuler tout le système, parce que si on réticule toute la masse, on va bloquer l'extrudeuse. Mais faire par exemple de la micro-gélification. Faire des zones dans votre matériau fondu, mais qui sont micro-gélifiées. Ça peut être intéressant, par exemple, en termes de résistance à l'impact de certains matériaux. On peut faire de la fonctionnalisation. Souvenez-vous, le traitement à l'anhydride maléique. C'est vraiment ça. On peut faire de la modification par greffage, hein, de monomères ou de mélange de monomères tout au long de la dorsale polymère, de la polymeric backbone. On peut faire des copolymères par réaction interchaîne. J'ai un premier polymère, j'ai un deuxième polymère. Ils ont des groupements fonctionnels réactifs mutuellement. On peut les faire réagir l'un à l'autre pour générer des copolymères greffés, par exemple. On peut faire des réactions de couplage. Pour faire par extension de chaîne des polymères tels que des polyuréthanes. Je donnerai un ou deux exemples, mais spécifiquement ciblés au bioplastique. Et voilà un petit peu mon introduction générale. Je vous ai décrit le contexte, je vous ai décrit l'outil, je vous ai décrit comment on peut suivre cet outil, par quels moyens, par quelles techniques. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait avec ces outils? J'ai choisi quelques exemples ici, préalablement sélectionnés. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de produire des polymères biobasés et ou biodégradables, voire des mélanges polymères compatibilisés à l'interface pour améliorer les performances thermomécaniques, voire encore des composites ou des nanocomposites par extrusion réactive. Les nanocomposites, ce sera l'objet de la troisième leçon. Et donc, j'ai choisi quatre illustrations. Je ne sais pas si on les verra tous les quatre. Peu m'importe, ça dépend de vous aussi. Hein. N'hésitez pas à m'interrompre dès que vous le souhaitez. On n'est pas nombreux, c'est un avantage. Hein. Et donc, vous allez voir, dans un premier temps, je vais parler de la production continue de polyester aliphatique. J'en avais déjà touché mot mercredi dernier, c'est la production de polyacide lactique, mais vous allez voir les tout premiers travaux, ils remontent. J'avais plus de cheveux noirs que de cheveux blancs, ça c'est une certitude. C'était mes premiers contacts
avec une extrudeuse. Hein, ça remonte à mon postdoc, à un ou deux postdocs que j'ai fait à la Michigan State University of Chemical Engineering. Et donc, c'est la première fois que je voyais une extrudeuse. Et voilà, une idée est venue, et vous allez voir ce que ça a donné. Puis nous verrons ensuite des exemples de modifications chimiques sur polyester, de l'auto-branchement ou la malléation, l'addition d'anhydride malléique. Puis ensuite, la compatibilisation de composites à base de polyester avec du talc, par exemple, ou encore des granulés d'amidon. Et enfin, la production d'amidon thermoplastique et de mélange avec des polyesters. Et tout ça, systématiquement réalisé dans une extrudeuse double vis, corps rotatif et interpénétré. Systématiquement. Pas forcément la même. Alors, donc, discutons d'abord de ces polyesters aliphatiques. Très brièvement, un rappel de la chimie derrière ça. Ces polyesters aliphatiques, tels que schématisés ici, peuvent être obtenus soit par voie de polycondensation, soit par voie de polymérisation d'ouverture de cycle. Systématiquement, je ne parlerai que de bioplastiques commerciaux. Tout ce que vous allez entendre, c'est commercial. Si ce ne l'était pas, ça l'est devenu. Donc, ce n'est pas que de la curiosité de laboratoire, j'insiste. Ce l'était peut-être à l'époque, ce n'est plus maintenant. Alors, par polycondensation, eh bien, deux grands polyesters commerciaux, le premier à l'origine par BASF, maintenant on le retrouve chez d'autres fournisseurs, le nom commercial c'est Ecoflex, je l'ai déjà cité tout à l'heure, et la semaine dernière c'est le PBAT, T pour terephthalate, A pour adipat, ici vous avez B pour butylène-diol, hein, le butane-diol. Ici, donc, le PBAT, qui est commercial, et en fonction de la teneur en acide terephthalique, s'il est inférieur à 20-25%, ce PBAT est biodégradable par compostage industriel, par exemple, comme on l'avait vu la semaine dernière. D'accord ? Puis vous avez un autre aussi, qui est lui full aliphatique, qui est le polybutylène adipat succinate. Hein, on remplace tout simplement l'acide terephthalique par l'acide succinique. Et ça, c'est le bionol par Showa Denko. Puis à côté de ça, vous avez d'autres polyesters aliphatiques, 100% aliphatiques, obtenus par polymérisation en chaîne, par polymérisation d'ouverture de cycle, ring opening polymerization, ROP. Donc au départ de lactone. Alors il y a deux grands candidats, hein, l'epsilon caprolactone d'origine pétrochimique, conduit à la polyepsilon caprolactone, pétrochimique biodégradable. Et ici, vous avez ce que je vous ai montré la fois dernière, le lactide de dimère cyclique de l'acide lactique, qui, par polymérisation d'ouverture de cycle, conduit au PLA. Biodégradable aussi, mais issu de la de ressources renouvelables, l'acide lactique lui-même obtenu par fermentation de saccharides ou de polysaccharides, tandis qu'ici, lui, c'est vraiment issu de la pétrochimie. Voilà les caractéristiques. La PCL TG moins 60, TM de l'ordre de plus 60 degrés Celsius. Et le PLA, s'il est LLLA, donc optiquement actif, avec le stéréoisomère LL, deux fois l'acide L-lactique ici, au niveau du carbone méthine, TG de l'ordre de plus 55 degrés et TM de l'ordre plus 175 degrés Celsius. Les propriétés de ces matériaux, ici on a le tensile strength versus elongation at break. Vous voyez que l'Ecoflex il est là, amidon PCL est ici, le PLA. Et donc on va essayer de moduler les propriétés de manière à avoir ici, ben, l'idéal, c'est un tensile strength élevé pour une élongation élevée. Les propriétés mécaniques ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être adaptées. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, j'avais une question, est-ce qu'on a la possibilité d'adapter les propriétés de ces matériaux bioplastiques en fonction de l'application? J'avais répondu avec une certitude et à 100% oui, parce que justement, on va jouer sur les outils que sont ceux du chimiste et de l'ingénieur,
hein, du mélange, de la distribution, de la dispersion, mais aussi de la réaction, pour pouvoir adapter les propriétés que l'on souhaite et se coller ainsi aux grands correspondants pétrochimiques que sont le polystyrène. Ici, un tensile strength très élevé, mais le langage son très faible. Hein, c'est très cassant, le polystyrène. Hein, c'est à l'état vitreux, ça casse comme du verre. Mais aussi modulé par rapport au polyéthylène, basse densité, haute densité, le polypropylène et d'autres. Premier exemple, et ça remonte il y a longtemps, on est milieu des années 90, quand je vous disais que ça remontait il y a un quart de siècle. Voilà, c'est. Je tombe sur un équipement qui est une extrudeuse double vis à l'époque, 30 mm. Et vous voyez, la longueur sur le diamètre est relativement faible. À l'époque, on ne faisait pas des extrudeuses aussi longues que maintenant. Parce que l'extrudeuse n'était pas pour faire de la réaction. C'était surtout pour faire du mélange ou la dispersion. Et c'est après qu'on a vu apparaître des extrudeuses beaucoup plus longues, comme celles que je vous ai montrées. Et qui sont donc commerciales maintenant. Donc, trois autres seulement. À l'époque, hein, trois modules, trois possibilités de chauffage. Et alors, on a eu l'idée, ben tiens, pourquoi ne pas essayer d'avoir un monomère liquide avec une pompe, et ici un amorceur ou un catalyseur, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hop, on fait la coaddition, et puis j'alimente en continu. Et si la cinétique de réaction de polymérisation est suffisamment courte, je sors mon polymère avec le peu de monomère résiduel. Donc là, ce sont un petit peu tout ce que je vous ai déjà dit précédemment. Et donc, la première chose que je fais, on va essayer d'utiliser la caprolactone, l'epsilon caprolactone, je vous rappelle, hein, excusez-moi, je reviens un peu en arrière pour vous, c'est ce monomère liquide, c'est vraiment un liquide comme de l'huile de ménage, à peu de choses près, et transformer ça dans un polymère semi-cristallin, donc rigide, semi-cristallin, avec une température de fusion bien supérieure à la température ambiante. Là, moi, je suis assez spécialiste de la catalyse organométallique, hein, j'avais fait ma thèse un peu là-dessus, et donc on utilise comme un amorceur un alcoolate d'aluminium, mais un trialcoolate d'aluminium, le tricyclobutoxyde d'aluminium, reçu tel quel, aucune purification. L'idée, c'était, on va tout de suite à l'industrialisation. J'étais dans un chemical engineering lab. Il ne fallait pas que je commence à parler de distillation, de recristallisation. Il dit, c'est très beau tout ça, mais ça, c'est pour ton labo, file. Et alors, l'epsilon caprolactone, là, à l'époque, au labo, on séchait ça sur l'hydrure calcique. Ils m'ont dit, hydrure calcique, mais t'es fou, tu veux foutre le feu au labo, quoi. Hein, un hydrure. C'est vrai. Alors là, hop, tout de suite, tamis moléculaire, en continu, on sèche, pas de problème. Ça ne marchera jamais, les gars, tu te rends compte, tu utilises quand même un alcoolate d'aluminium, c'est tellement sensible à l'oxydation, à l'hydrolyse. Ne t'inquiète pas, on va amener de l'azote sec, séché en continu sur la tamis moléculaire et on va alimenter l'extrudeuse avec de l'azote en même temps. J'avais jamais fait ça, quoi. Moi non plus. On va s'amuser, quoi. Premier essai, on rentre de l'huile dans l'extrudeuse. On rentre de l'huile, on sort de l'huile. Ça va pas. Ça va pas. Parce que le flux d'azote n'était pas suffisant. Comme ça n'était pas suffisant. Aïe, aïe, aïe. Et puis, deuxième ou troisième essai, par bonheur, ça fonctionne. Alors, je ne vais pas dire que c'est les résultats des tout premiers essais, mais comment on voit que ça fonctionne? C'est qu'augmentation de viscosité, augmentation de pression, et ce n'est pas du pipi de chat qui sort, c'est vraiment un jonc continu qui cristallise en forme du polymère. Je vous assure que c'était la première. C'était la première. Qui prit une petite tamponne le soir. Parce que sur le coup, je ne pensais pas. Directement on fait des essais, on caractérise le matériau qui en sort. Et donc vous voyez ici hein, les conditions, 150 degrés Celsius, 130 tours par minute, temps de résidence 2 minutes, on forme un polymère en continu en 2 minutes.
voyez, on joue sur les rapports de concentration en monomère et en amorceur, ici 1170, 1710, et on voit que si j'augmente ce rapport, j'augmente la masse molaire expérimentale telle que déterminée par GPC. J'attendais une valeur de 44 000, j'obtiens 40 000. J'attendais une valeur de 65 000, j'obtiens 63 000. D'où vient cette valeur théorique? Et c'est simplement le degré de polymérisation attendu entre la concentration en monomère et la concentration en sec-butoxyde, puisque en fait, il y a trois chaînes qui démarrent par aluminium. Et vous allez voir que c'est vachement intéressant, parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à commercialiser ce procédé-là. On l'a breveté, évidemment, publié, vous voyez ici, bien après. Et voilà, c'est assez étonnant. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est qu'on a 99% de conversion de monomère en moins de 2 minutes. Si vous faites ça dans un réacteur batch, ils vous font quelques dizaines de minutes. Pression. On augmente la pression. On est en masse, il n'y a pas de solvant. Et ça, c'est super intéressant, parce que la concentration de monomère à l'équilibre, elle diminue avec la pression. Et donc, même dans des réacteurs batch, on serait limité, on verra pour le PLA, à des taux de 90% de conversion en quelques minutes. Ici, on peut monter à 98-99%, qu'on ne pourrait pas faire autrement par la théorie de la micro-réversibilité de toute polymérisation en chaîne. Et alors, surtout, on forme des polycaprolactones par hex qui sont en fait sous forme d'étoiles à trois branches, jusqu'à des MN pouvant atteindre 200 000 grammes par mole. Pourquoi à trois branches? Le mécanisme de polymérisation est le suivant, c'est un mécanisme de coordination-insertion où chaque alcoolate d'aluminium, donc 3, va amorcer une chaîne. Une chaîne, deuxième chaîne, une troisième chaîne. Une chaîne, deuxième chaîne, trois chaînes. Il n'y en a qu'une de représentée ici. Mais dites-vous bien ici qu'il y a trois chaînes en croissance. Et en fait, on va former, au départ de cet amorceur trifonctionnel, on va former une, deux, trois chaînes. Et donc, la viscosité est telle que, directement en sortie de filière, on peut souffler des films de polycaprolactone. Parce que la rhéologie des polymères en étoile à trois branches est plus adaptée au soufflage que des chaînes linéaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Et donc là, je ne vais pas vous cacher que, on peut dire maintenant, hein, c'est public, depuis tant, Solvay avait breveté de leur côté, mais dans leurs revendications, ils ont dit que ça peut être soit du monoalcoolate, de diéthylaluminium, du di ou du trialcoolate. Et nous avons dit non, non. Il faut que ça soit du tri, parce que si c'est du mono, vous ne bénéficiez pas de cet avantage-là. Et nous avons gagné. Ils ont dû retirer leur brevet. Voilà. En voulant breveter plus large, ils ne pouvaient pas revendiquer le fait qu'on produit des films soufflés par PCL obtenus par cette exclusion. Et donc c'est devenu vraiment une voie de production de polyepsilocaprolactone, haute masse molaire, pour faire des films. Films néanmoins qui présentent un inconvénient majeur, il faut le reconnaître, c'est la température de fusion trop faible, aux alentours de plus de 60 degrés Celsius, donc d'où l'intérêt de s'orienter vers d'autres polymères, biodégradables une fois de plus, mais biobasés dans ce cas-ci, c'est la polymérisation par ouverture de cycle du lactide, le L, lactide, donc le dimère cyclique de l'acide L-lactique. Voilà un peu l'extrudeuse que nous avions utilisée. Là, cette fois, c'est un projet avec l'université de Stuttgart en Allemagne, dans le cadre d'un projet européen. Donc, leur extrudeuse, là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore d'extrudeuse double vis au labo, donc on collaborait avec des ingénieurs. La Michigan State University, le Chemical Engineering Center. Là, c'était l'université de Stuttgart, le professeur Fritz, en chemical engineering. C'est seulement après, quand je suis arrivé en Mons en 1997, le temps qu'on a commencé à s'équiper. Et là, maintenant, je crois qu'on a un parc de 14 extrudeuses à Materia Nova et à l'université. Et donc, vous avez le profil de vis ici. Hein. On va de la gauche vers la droite.
donc une zone de fusion, de melting section, puis une zone de polymérisation, et puis une zone de dégazage, et voyez, d'élévation de pression pour parachever les derniers pourcentages de la réaction de polymérisation. Et on avait même été mettre en tête d'extrudeuse ce qu'on appelle un static mixer, hein, pour encore prolonger quelque peu le temps de résidence dans l'extrudeuse. Parce que l'extrudeuse, c'était celle-là. Hein. Je n'allais pas dire, veux-moi en acheter une nouvelle, que c'est ça qu'il me faut. Non. Donc, voilà. Et donc, vous voyez ici, donc, le diamètre des vis, c'est 25 mm. Le rapport L sur D, longueur, c'est diamètre 48, avec ce static mixer. Alors, de nouveau, extrêmement simple. Du l'acide L-lactique, du lactide recristallisé et séché sous vide. À l'époque, on n'avait rien d'autre. Maintenant, on le reçoit préparé par l'industrie. On peut l'utiliser tel quel. Et alors, on avait mis au point, et ça, c'est l'étape qui nous a pris le plus de temps, hein, plusieurs années, un couple catalytique extrêmement efficace, qui est un équivalent de dioctoate d'étain à l'état d'oxydation plus 2, avec un équivalent de triphénylphosphine. Alors l'octoate d'étain est connu depuis des années, mais le fait d'avoir ajouté cette base de Lewis a permis justement d'accroître considérablement l'activité de l'octoate d'étain, tout en préservant la thermostabilité du polymère ainsi produit. Je passe les détails, hein, je passe les détails du choix de ce catalyseur, mais en tout cas beaucoup plus actif que l'octoate d'étain. Et voilà par exemple un tableau ici où j'ai repris quelques valeurs de données, et vous voyez que dans ces conditions, 180 degrés Celsius, ben pourquoi? Parce qu'il faut être au-dessus de la température de fusion du PLLA, qui est de 175 degrés Celsius, donc il faut quand même que j'extrue finalement un matériau qui est fondu et qui ne cristallise pas dans l'extrudeuse. Un rapport initial de concentration monomère sur concentration en cata, donc concentration en étain, de 5000, vous voyez, donc c'est un rapport très élevé. Et directement, et ça c'était l'intérêt, la possibilité de transformer le monomère en polyester directement en présence d'un antioxydant. L'idée c'était de produire du melt stable PLA. Parce qu'on sait bien que quand on veut retransformer du polyester ensuite, hein, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, on a du polyester, par exemple le PLA ici. Ah, je veux le stabiliser, donc je dois lui ajouter un antioxydant. Oui, d'accord, mais pour lui ajouter un antioxydant, je dois le fondre, je dois l'extruder et ajouter. Le temps que je le fonde et que je l'extrude, il se dégrade. Donc l'idée d'ici, c'est donc j'ajoute directement en cours de sa synthèse l'antioxydant qui va lui donner sa stabilité thermique. Mais il ne fallait pas que l'antioxydant vienne contrarier la réaction de polymérisation, bien évidemment. Alors, cet antioxydant, l'ultranox, vous voyez ici, hein, c'est un diphosphite commercial. Hein, on n'a pas de produits exotiques de labo, vraiment des produits commerciaux, parce qu'on voulait le développement. Alors, vous voyez ici, par exemple, avec cette machine, cette extrudeuse double vis, vous avez ici l'effet de la vitesse de rotation des vis, le débit, vous voyez, hein, pas énorme, hein, de l'ordre du kilogramme heure. À l'époque, le lactite était vachement plus cher qu'aujourd'hui. Donc, un kilo de lactite, ça pouvait monter. Hein. Donc, la caprolactone, ça va, c'était un liquide. Puis de chasse, c'est pas encore trop cher. Mais le lactite, quand on loupait le manip, monsieur Fritz portait bien son nom. Hein. Et alors, vous voyez ici la pression en tête d'extrudeuse, quand je vous disais que ça pouvait monter très haut, hein, jusqu'à 85 bars, qui nous est utile puisqu'on transforme N monomère en une chaîne polymère. Donc toute élévation de pression va forcer le mécanisme de polymérisation en chaîne à se dérouler. Et vous voyez, on obtient ici des MN terriblement élevés. Alors ce sont des MN absolus. Ce n'est pas relatif au polystyrène, c'est vraiment la MN en équivalent PLA. Donc c'était très très rarement approché à l'époque. Et donc des taux de conversion, vous voyez, proches de 97-99%. Donc c'était incroyablement élevé. Le monomère résiduel, on peut le laisser, il n'y a aucun problème.
ça, ça a été, je pense, c'était breveté évidemment, mais ce qui était génial, c'est qu'on produisait du mel-stable PLLA by a fast continuous one-stage polymerization process. Et comment on peut vérifier ça? Très simplement, par analyse thermogravimétrique, par TGA. Donc, on va avoir par exemple ici le NDT, qui est le maximum decomposition temperature, qui est défini comme le point d'infection de la température, de la dépendance de température en fonction de la perte en masse. Vous savez bien qu'en analyse thermogravimétrique, on va élever la température et on va suivre la perte en masse d'un échantillon d'environ 10 mg au cours du temps, c'est-à-dire au cours de l'élévation de la température. Si vous utilisez un gradient, par exemple, de chauffe de 5 degrés Celsius par minute. Le T95, ici, c'est la température qui correspond à une perte en masse de 5%. Donc, vous avez un gradient de température, à partir de quel moment vous avez perdu 5% de votre échantillon. Et alors, last but not least, c'est la DR, c'est le taux de dégradation qui est défini comme la pente de la dépendance de la perte en masse au cours du temps de la partie linéaire. Donc ce que l'on voit, je crois que c'est, il n'y a pas photo, c'est clair, c'est qu'on augmente considérablement la stabilité thermique de l'échantillon de 314 à 377. On augmente la température à laquelle on enregistre une perte de 5%, et surtout la pente, donc la vitesse à laquelle la dégradation s'opère, est beaucoup beaucoup plus faible. Vous voyez, on passe de 160-200 à 25. Là, cette comparaison avec l'octoate d'étain dans un réacteur mode batch en vert. Ici, c'est la même chose, mais avec le nouveau système catalytique. Ok, pas grand-chose comme différence. Mais de l'extrudeuse, l'intérêt, c'est qu'on peut ajouter directement ce qu'on ne peut pas faire dans un réacteur mode batch. Hein. Bonjour. Dans un réacteur mode batch. Et donc là, vous voyez, cet effet est incroyable. On peut produire du PLA qui est thermostable. Ça, c'était quand même une innovation que seule l'extrusion peut offrir. Alors, résumons ce que je viens de vous dire. C'est donc la possibilité, c'est un slide que j'avais un peu repris la semaine dernière, mais vous voyez ici, 180 degrés, 0,5% en poids d'antioxydants, c'est ce qu'on retrouve généralement dans toute formulation polymère, l'ordre de grandeur. Taux de conversion supérieur à 98%, les 2% de monomères résiduels, pas de problème, on les laisse dedans. Il n'y a aucun souci. Ici, vous voyez, dans ces conditions, et le temps de résidence est de 7 minutes ici, pour une MN de l'ordre de 100 000 grammes par mol. Super. Et donc, c'est la société Futerro, qui était à l'époque une joint venture entre Total Petrochemical et Galactic, qui ont repris le brevet, qui ont construit cette unité de démonstration, comme je l'exposais la semaine dernière à Ecanaf, la société Futerro. En 2010, ils ont extrapolé ce principe de production continue du PLA par extrusion réactive sur une unité de démonstration de 1500 tonnes an, et maintenant, vous avez vu la fois dernière, ils sont en Chine avec 100 000 tonnes an. Et donc, on peut en produire des films, des fibres, textiles ou non textiles, des bouteilles, des tasses, etc., etc. On avait fait le job. Et ensemble, avec Total et Galactic, Futerro, ils nous ont demandé, dans le cadre du plan Marshall il y a quelques années en région Wallonne, de dire c'est très bien, Philippe, mais ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment du PLA classique, single use pour faire de l'emballage. On veut donner une valeur ajoutée à ce PLA. Aller vers du semi-durable, voire idéalement du durable. High added value PLA. Et là, je vous l'avais dit la semaine dernière, Toyota a été d'une impulsion extrêmement favorable. On est début des années 2000 ici, enfin, non, plutôt 2000-2010,
première décennie des années 2000. Et donc, eux, ce qu'ils cherchaient Toyota, c'était une meilleure résistance à la chaleur, tiens donc, pas seulement en cours de production ou de transformation du PLA, mais d'exploitation du PLA, d'utilisation. Mais également un meilleur comportement dans le fondu, résistance dans le fondu, du melt strength, augmenter le taux de cristallisation. Pourquoi ? Pour avoir une durabilité sur le plus long terme. Tout ça pour viser des applications durables, évidemment, dans le domaine de l'automobile. Comment faire ça au départ du lactide transformé en PLA et avec l'outil qui est l'extrusion réactive ? Était connu depuis pas mal de temps le fait suivant, c'est la physique des mélanges polymères, le PLA naturellement disponible, si je peux dire, c'est le PLLA, au départ de l'acide L-lactique. Mais il est possible de produire de l'acide D-lactique, simplement en jouant sur la souche bactérienne, hein, produisant par fermentation l'acide lactique. Aujourd'hui, vous achetez de l'acide L-lactique ou de l'acide D-lactique. Vous savez transformer cet acide L-lactique en L-lactide. Vous savez transformer son homologue, son énantiomère, en donc l'acide D-lactique, en énantiomère DD-lactide. Vous pouvez polymériser l'acide L-lactique en PLLA et son équivalent D-lactide en PDLA. Si vous mélangez ces deux polymères l'un à l'autre dans du chloroforme, et que vous évaporez le chloroforme, il forme ce qu'on appelle un stéréocomplexe, que l'on a caractérisé par rayon X. Et ce stéréocomplexe établit des ponts hydrogène très particuliers d'ailleurs, hein, entre le carbonyle de chaque ester et le méthyl en alpha du carbonyle d'une autre chaîne. Vous voyez ici, c'est pas très haut en énergie, c'est pas des ponts hydrogène classiques, hein, parce que ce CH3 n'est pas, cette liaison CH n'est pas très acide. Hein. Donc c'est quand même vraiment surprenant. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est l'effet de stéréocomplexation qui se faisait à l'époque, j'insiste, par mise en solution dans un solvant commun qui est le chloroforme à évaporation. Industriellement, utiliser du chloroforme à grande échelle, just forget it. Hein. Tout le monde s'endort. Hein. Mais l'intérêt, c'est regarder, c'est que si je regarde la température de fusion, soit du PLLA, soit du PDLA, elle est de l'ordre de 175 degrés Celsius, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le fait de mélanger à parts égales 50% de PLLA, 50% de PDLA dans un solvant commun d'évaporé, poum, j'augmente la température de fusion. Il peut atteindre même, en fonction de la qualité, de la pureté de ce stéréocomplexe, jusqu'à peut atteindre 230 degrés Celsius. Waouh ! Jackpot ! Pourquoi ? Parce que cette stéréocomplexation va permettre de maintenir les dimensions structurelles géométriques, par exemple de ce gobelet en plastique, sous la chaleur. Du PLA normal, qu'est-ce qui se passe quand je verse du café chaud, par exemple à 70 degrés ? Sous la masse du café, la température du café, le PLA va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que c'est surtout sa TG qui va dicter sa stabilité thermique. La TG du PLA, souvenez-vous, 55 degrés Celsius. On fait un gobelet, je vais vous montrer comment on l'a fait après, en PLA stéréocomplexé, il ne bouge pas d'un iota parce que sa température de fusion et la cristallinité bien supérieure est telle que ce n'est plus la TG qui va dicter la température à laquelle le matériau va s'infléchir, ce qu'on appelle la heat distortion temperature, c'est plus sa TG, c'est sa température de fusion. Et dire, oui, c'est génial. Oui, surtout parce que si vous voulez faire par exemple des fibres en PLA, un pull, une chemise, pourquoi pas ? On a vu que ça se faisait. Mais si je veux les repasser,
je ne peux pas le faire en PLLA. Parce que la température du repassage, elle est de l'ordre de 120 à 140 degrés Celsius. Donc si je ne veux pas que ma chemise colle à mon fer à repasser, je dois utiliser du PLA stéréocomplexé, ou cette fois, on peut vraiment repasser du PLA. Vous voyez, genre d'application à valeur ajoutée, semi-durable, durable. Mais, l'histoire est toujours compliquée. La mise en œuvre de stéréocomplexe est difficile, on l'a vu. Il faut utiliser du chloroforme, et particulièrement difficile à l'état fondu. On pourrait se dire, bah, j'ai qu'à prendre du PLLA, du PDLA, je les mélange dans une extrudeuse, et puis je sors mon stéréocomplexe. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que si je veux faire ça, comme ma température de fusion de mon stéréocomplexe n'est plus de 175, mais de 210 degrés Celsius, je dois travailler une température de 230, voire 240 degrés Celsius, à laquelle le PLA ne tient pas le coup. Je dégrade mon PLA. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc, aïe. Et ça, c'était le challenge, ça. Il ne faut pas me provoquer, ça m'énerve. Et alors, que faire? Alors, pourquoi ça ne va pas? Parce que, vous avez bien compris que je dois être au-dessus de la température de fusion de la stéréocomplexation pour casser ces liaisons hydrogène qui assurent justement la stéréocomplexation. Cependant, si je monte trop haut en température, j'ai une perte de mon comportement dans le fondu. Je perds mon male strength. Et donc, c'est impossible de produire, par simple mélange dans le fondu, des pellets qui peuvent être reprocessés après coup. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, si on ne peut pas profiter de ça, essayons de trouver d'autres liaisons hydrogène, interchaînes, très costaudes. Et alors là, on n'invente rien. Polyuréthane, évidemment. Polyuréthane. Qu'est-ce qui fait la caractéristique des polyuréthanes? Ben, c'est qu'on a plein de ponts hydrogène, de liaisons hydrogène, entre les liaisons uréthane interchaînes. Pour rappel, un polyuréthane, si ici ce bloc représente un oligomère polyester, par exemple PLA, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc je crée avec mon isocyanate et mon alcool ces fonctions uréthane, à gauche et à droite ici, R peut être un aromatique, qui va donner en plus du male strength, du peu d'aromaticité, ça ne peut pas faire de tort. Et voilà, je crée, entre mes chaînes, ce que je cherchais par ailleurs. Des liaisons par pont hydrogène. Donc, pourquoi pas envisager de faire des polyuréthanes au départ de PLA, mais de PLA L et de PLA D. Et donc, je combinerai dans un même matériau des ponts hydrogène type polyuréthane, mais également type stéréocomplexe. Les avantages, j'améliore mes propriétés thermiques et mécaniques et je fournis ce satané male strength qui me permettrait d'utiliser l'extrusion. Je rembobine tout et je vous raconte l'histoire avec un seul slide. Ça, c'est beau. J'ai le lactite. Dites-vous, ce lactite, ça peut être le L ou le D, séparément. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si je copolymérise le L-lactite et le D-lactite en même temps, j'obtiens du poly-LD-lactite qui est totalement amorphe. Donc, ça doit être des blocs PL et PD-lactite ensemble. Sinon, ça aurait été trop facile. Hein. Je vous l'aurais dit tout de suite. Hein. Donc, je... Voilà, on ferme ses yeux, on a du L-lactide ici, maintenant ouvrez les yeux parce que vous voyez plus rien. Je fais une polarisation d'ouverture de cycle comme je vous l'ai montré avant, dans mon extrudeuse. Je le transforme en PLA. Maintenant je vais utiliser un amorceur qui est un diol, comme ça. Mes chaînes, elles sont d'office terminées à chacune des extrémités par un alcool. Vous me voyez arriver. Ce diol, je le mets en réaction avec un isocyanate, un diisocyanate. Okay. Je forme mon polyuréthane. Grâce à cette formation polyuréthane, youpi, j'ai ici des ponts hydrogène.
Là, je peux avoir dans une extrudeuse du PLLA polyuréthane, et je fais dans mon autre extrudeuse du PDLA polyuréthane. Tirex, connexion. Et je mélange mes deux polyuréthane de PLLA et de PDLA, et j'obtiens mon stéréo complexe. Oh Dieu, ce que c'est plus MacGyver, hein, c'est Superman. Mais c'est pas moi, parce que moi j'ai rien fait, moi, on discutait, moi, c'est facile, hein, je suis dans mon bureau. Et l'idée, c'est de faire tout ça sans solvant, par une extrusion réactive, avec un seul et unique catalyseur, l'octoate d'étain additivé avec la triphénylphosphine, à la fois pour la polymérisation, j'ai plus besoin d'ajouter le catalyseur, il est toujours là, dans le milieu, hein, mais également pour l'extension de chaîne. Or, ça tombe bien, l'octoate d'étain additivé triphénylphosphine est aussi un bon catalyseur pour la formation des polyuréthanes. Cool, on a le même cata pour les deux. Et donc voilà ce qu'on a fait. On a synthétisé du PLA-diol. Si on arrivait à faire du 100 000 g par mole, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire du 10 000 g par mole ou du 5 000 g par mole. Il suffit de mettre moins de concentration à monomère par rapport à l'amorceur, le diol. On ajoute du MDI, un diisocyanate aromatique, et on met même un peu du MDA, une diamine aromatique. Pourquoi ? Pour amener encore plus de ponts hydrogène dans le segment dit dur du polyuréthane. Et donc avec l'octoate d'étain qui était celui initialement présent pour produire le PLA-diol, voilà ce que je génère. C'est un peu compliqué. On dit, waouh, c'est plus du PLA. Hop, 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 détrompez-vous. Parce qu'en fait, 97% de mon matériau, c'est du PLA. Hein. Ce sont des blocs de PLA hein, que l'on va relier les uns aux autres par des petites séquences ici de polyaromatique, ça représente même pas 3%, hein. Ça reste bien du PLA, mais avec de temps en temps des séquences formant ces ponts hydrogènes au niveau des différents, ici uréthane, voire urée. L'urée forme des ponts hydrogènes encore plus costauds que les uréthanes. Donc on a 97% ici en vert, et ici ça représente que 3%. Pourquoi ? Parce que le PLA peut atteindre ici 10 000 g par mole entre les deux alcools. Ça, il faut bien garder à l'esprit, on fait bien un polyester uréthane et la composante largement majoritaire, c'est le polyester. Alors on est parti. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a breveté évidemment, et on a publié ça dans Green Chemistry. Ben voilà. On prend du L-lactide ici, vous vous souvenez les deux extrudeuses que je vous ai montrées qui sont connectées en T-rex. L'extrudeuse principale ici, l'extrudeuse satellite. Donc l'extrudeuse principale est plus longue que le satellite. Là, je cherche avec le L-lactide, je le transforme en PLLA. L-lactide plus mon catalyseur, hein, octoate d'étain, triphénylphosphine et le diol permettant de conduire à... au diol PLLA. Je fais la même chose ici sur l'extrudeuse satellite, mais je pars du D, je fais en PLLA, et là, à la connexion ici, j'ajoute mon agent d'extension de chaîne, diisocyanate et diamine. La réaction se poursuit, donc je vais avoir du PLA où je vais avoir des blocs PLLA, PDLA, PLLA, PDLA, avec mes fonctions uréthane et urée. Et la réaction d'extension de chaîne se poursuit ici, et j'ai ma stéréocomplexation qui se fait en même temps. Je peux élever la température ici. Là, je suis à 180 degrés. Là, je suis à 180 degrés. Mais là, ici, je peux amener la température à 210, 220 degrés, puisque c'est ça l'intérêt de la modularité hein, de l'extrudeuse. Tout au long, comme je vous l'ai dit, on peut avoir jusqu'à 12, voire même 13 modules. Je vous dévie de faire ça dans un réacteur type batch. Et donc, vous voyez ici, en faisant ça, dans ces conditions, on a un peu moins d'un kilo-heure de débit. La température ici en sortie de filière, vous voyez, elle est bien supérieure à la température de fusion du stéréocomplexe. Un rapport ici, pas de 5000, mais de 4500. Voilà, on adaptait les conditions.
Et donc revoilà un petit peu la photo que je vous avais montrée avant. Donc on cherche avec le L-lactide là et on cherche avec le D-lactide ici. À la connexion, on ajoute le MDI et le MDA. Et vous voyez à la sortie, on a une température de fusion de 205 degrés. Ça, c'est le pipi de chat qu'on a lorsqu'on essaie de mélanger les deux directement. Et grâce au pont hydrogène du polyuréthane qui sont maintenus à haute température, on a vraiment la possibilité d'avoir un jus qui donne vraiment des propriétés de male strength que ne pourrait pas obtenir autrement que par cet intermédiaire de polyester uréthane. Alors, l'intérêt, je vous l'ai dit, c'est la modularité et la possibilité de jouer sur le débit. Vous voyez ici, c'est la température de fusion du matériau brut tel que collecté à la sortie de la filière d'extrusion. C'est par DSC, hein, premier et deuxième cycle. Et vous voyez qu'en jouant sur le débit, ici en augmentant le débit, on favorise, si vous voulez, l'extension de chaîne par réaction entre le diol et le diisocyanate. Là, à 600 g par heure et encore mieux à 800 g par heure ou même 2 kg par heure et l'équipement qu'on avait, on n'a plus la moindre trace résiduelle d'homopolyester. Il n'y a plus de température de fusion des oligomères de départ qui étaient de 153 degrés Celsius. Pourquoi pas 175 ? Parce que ce n'est plus des MN de 60 ou 80 000, mais de 10 000 g par mole. Donc on a vraiment du stéréocomplexe, 211,6 degrés Celsius. Ce qui est génial, c'est que on peut jouer, excusez-moi, je reviens ici, sur le débit de l'extrudeuse satellite par rapport à l'extrudeuse principale. Donc je sais jouer sur la composition en PLLA et PDLA dans mon copolymère polyester polyuréthane. Et vous voyez, je peux dire, ben, je vais mettre plus Attendez ici que je regarde. Voilà, ici. Donc on va jouer sur le taux de PL ester uréthane par rapport au taux de PD ester uréthane. Et donc on voit qu'on a une fourchette ici, allant globalement de 35 à 60-65 en pourcent en poids. L'idéal c'est d'avoir 50-50 évidemment, puisqu'on voit qu'à 50-50 c'est là où j'ai l'enthalpie de fusion, la meilleure cristallisation de mon polyester uréthane stéréocomplexé. Mais surtout, on voit qu'on a de la latitude et que ça permet ainsi de jouer sur la composition de mon polyester uréthane, plus riche en L, plus riche en D. Si j'avais que du PLLA ou du PDLA, ben, j'aurais une température de fusion plus faible, à 170-175 degrés Celsius, mais avec une enthalpie de fusion beaucoup plus basse que celle qui est obtenue après stéréocomplexation. Ce qui fait que je peux produire des fibres qui peuvent, en PLA qui peuvent être repassables. Ici, ça, c'est repassable, à chaud. Là, ça ne l'est pas. Je peux produire une tasse qui tiendra du café chaud. Ici, oui. Là, ça ne l'était pas. C'est ce que je vous ai montré préalablement. Et c'est stable. C'est stable dans le temps. Voilà une illustration. Alors, je m'explique. Pas facile à comprendre comme ça. C'est par DSC multicycle. On a pris un échantillon. On a fait un cycle. On chauffe, attends ce qu'il a ici, jusqu'à 250 degrés Celsius, puis on refroidit. On rechauffe jusqu'à 250 degrés Celsius, on refroidit. 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois. Et après 10 cycles de traitement thermique, d'un polymère pourtant extrêmement thermosensible, on voit que la température de fusion, elle tend à chuter quand même, il ne faut pas exagérer, mais elle reste systématiquement au-dessus de 200 degrés Celsius. Pour un matériau qui est à l'origine, le PLLA, on disait, oh, quand il est bien cristallin, c'est maximum 175 degrés Celsius. Vous vous souvenez, quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, est-ce qu'on peut jouer sur les propriétés, le PLLA ? Ben, je dis oui, c'est comme le polypropylène, en jouant sur la tacticité, sur la cristallinité. Je crois que c'est la meilleure des preuves que je peux vous donner ici. On peut avoir un PLLA totalement amorphe, ou un PLLA partiellement cristallin, ou nettement plus cristallin, et qui a même des températures de fusion qui peuvent dépasser les 215 degrés Celsius. Je vous le dis, quand on travaille vraiment dans des conditions parfaitement contrôlées, on peut atteindre 230 degrés Celsius qu'on ne contrôle pas au niveau industriel. Mais ça,
c'est vraiment du PLA, thermostat et à haute valeur ajoutée. Oui ? Oui, on laisse toujours le catalyseur dedans parce que justement, l'octoate d'éthane triphénylphosphine, je dois être. Aujourd'hui, on a changé de la base de lui. C'est une autre, mais je ne suis pas autorisé à la donner. Hein, mais c'est le même principe, c'est un équivalent. Il reste dedans. Et donc, c'est de l'éthane 2, pas de l'éthane 4. Ça serait interdit si c'était de l'éthane 4. L'éthane 2 ne présente pas de. Il est FDA approved. Et donc, oui, on le laisse dedans, mais tu as vu le rapport, c'est de 4500 à 5000. C'est extrêmement faible, donc on est à l'échelle de quelques ppm de manière utile. Oui ? Ça reste biodégradable. Oui, on l'a checké. Ça reste, justement, oui, ça reste biodégradable parce que le taux d'aromaticité est très faible, il est inférieur à 3-4%, ça dépend. Hein. Ici, tu vois, les blocs, c'était 6 mg par mole. On est monté jusqu'à 10 000. Hein. Plus haut, on a fait 15 000. Alors, mais 15 000, la probabilité de réaction des bouts de chaîne, ça devient plus difficile lors de l'extension de chaîne. Mais dans ce cas-là, de 6 000 à 10 000, on atteint un taux de biodégradabilité, donc vraiment classique. On répond aux conditions de compost industriel. Hein, de compost industriel. Voilà, voilà. Donc là, ça témoigne la possibilité d'exploiter cette extrusion réactive pour faire de la polymérisation. Alors, il me reste une vingtaine de minutes. Et sur cette vingtaine de minutes, je vais poursuivre un petit peu en donnant d'autres illustrations, si vous me le permettez. Si vous ne me le permettez pas, je ne sais pas bien. Là, par exemple, maintenant, ça va être de la modification chimique sur polyester. Et comme on est sur le PLA, ben restons-y. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je prends du PLA classique qui n'est pas melt stable, qui n'est pas stabilisé avec un antioxydant additivé en même temps que la production, voilà ce qui se passe. Je prends une extrudeuse et j'extruse mon PLA à 160, 170, 180, 190 degrés. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas stable. Et le simple fait d'extruder quelques minutes à haute température, qu'est-ce que j'observe? Ça émène qui chute. Avant extrusion, 121 600 grammes par mole de MN. Si j'extruse à 190 degrés, je suis à 82 900. Okay. Si je regarde la viscosité, ben forcément elle chute, puisque la MN chute. Et si je regarde le melt index sous 2,16 kg, ben qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le melt index. Le melt index, c'est vous chauffez votre polymère, en l'occurrence le PLA ici, dans un réservoir, vous le chauffez à 190 degrés Celsius. Et vous faites écouler votre matériau ainsi chauffé, donc fondu, au travers d'une filière qui fait un peu plus de 2 mm de diamètre. Et ce que vous mesurez, c'est la quantité de matière qui s'écoule au travers de cette filière par unité de temps, par 10 minutes de temps. Donc plus votre matériau s'écoule vite, ça veut dire que plus sa viscosité est faible, et donc plus sa masse molaire est faible. Et donc on voit bien que suite à la dégradation induite thermiquement dans l'extrudeuse, la MN chute, la viscosité chute, et le temps d'écoulement au travers de cette filière augmente considérablement. Il passe de 12 grammes en 10 minutes à 82 grammes en 10 minutes. Ce qui veut dire que vous n'avez plus ce melt strength. Votre polymère se dégrade. Vous ne savez plus faire un film avec ça. Vous ne savez plus faire un profilé ou un tube. Donc, la nécessité, que je disais préalablement, de stabiliser le PLA, comme nous l'avons vu dans les slides précédents. Dégradation importante, diminution à la fois de l'AMN et de la viscosité, ça s'explique par la thermohydrolyse, donc
vers la thermolyse et l'hydrolyse thermo-induite des chaînes de PLA, mais également des réactions dites de backbiting. La chaîne se thermodégrade en formant des oligomères cycliques par réaction intramoléculaire. Ça, c'était connu depuis longtemps. Face à ce problème, avant même qu'on ne découvre cette possibilité de polymériser le lactique par exclusion réactive en présence de stabilisants, il nous fallait trouver une manière d'éviter ça. Et l'idée qu'on a eue, c'est par exclusion réactive d'induire un autobranchement du PLA sur lui-même par réaction radicalaire. L'idée, c'est de maintenir la gamme de masse molaire constante et ce même après exclusion à l'état fondu. On a utilisé à l'époque ce diperoxyde, le luperox 101, qui, par élévation de température, va générer des radicaux. Il est FDA-approved, vous voyez qu'à 180 degrés, son temps de demi-vie est de l'ordre d'une minute. On a utilisé un des outils que je vous ai présenté pendant la première heure de mon exposé. Plus besoin de revenir là-dessus. Et voilà ce qu'on observe comme résultat. À 160, 180, 190 degrés Celsius, l'effet de la quantité de peroxyde va de 0 à 0,26 ici, par exemple. Là, la ligne 1 en bleu, c'est l'échantillon tel que reçu sous forme de pellets, de granulés. On n'a pas extrusé. Là, à 190 degrés, vous voyez, on a bien la chute des masses molaires, si je prends cet exemple-ci. On a bien la chute de la viscosité et on a bien l'augmentation du melt index sous 2 kg à 190 degrés. Le fait de mettre une petite dose de peroxyde permet de maintenir, voyez, la MNGPC, de maintenir et même d'augmenter la viscosité. Plus je vais mettre de peroxyde, plus je vais non seulement maintenir la MN, mais je vais même l'augmenter. Pourquoi? Comment on explique ça? Je passe ceci. Pardon, vous voyez ici, ça c'était les conditions optimales. À 180 degrés Celsius, je mets 0,25% au poids de l'hyperox par rapport au PLA, et je retrouve plus ou moins la même gamme de viscosité et de masse molaire que souhaité. Si je mets trop ou je chauffe trop, je m'en écarte. Alors le mécanisme, il est très simple, hein, il est connu. C'est une réaction radicalaire. On va arracher ici le radical hydrogène en alpha du carbonyle par le peroxyde. Ce radical ici va être capable de s'ajouter sur une autre chaîne PLA en exploitant la forme d'énolisation de l'ester. Je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est de la chimie radicalaire. Et on va avoir dès lors, ici, la création de liens interchaînes carbone-carbone. Évidemment, si cette création de liens interchaînes devient trop importante, je ne vais pas seulement avoir de l'autobranchement, mais je vais avoir de la réticulation. Je vais même avoir de la micro-gélification. Et c'est ce qu'on a ici. Voilà, vous voyez ici, en GPC, on a une augmentation apparente de la MN, elle passe jusqu'à 153 000, mais c'est la partie qui est mesurable. Parce que si vous regardez la MW sur MN, elle est de 520, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce qu'on forme dans mon échantillon de PLA des microgels qui ne sont plus solubles dans le solvant du GPC. Et comme on voit qu'ils ne sont plus solubles, on fait du GPC triple détection. Et on voit que le rayon de génération de macromolécules, il passe de 17,85 à presque 1 micron, ce qui est impossible. C'est la preuve que c'est en fait des petites parties de mon échantillon PLA qui ne sont plus totalement solubles et gonflées par le solvant. C'est devenu comme des mini-éponges par des taux de réticulation locaux beaucoup trop importants. Et on voit d'ailleurs qu'à ce moment-là, le pourcentage de MN supérieur à 1 million est de près de 10%. Donc attention,
ce mécanisme de réaction radicalaire marche bien, mais il faut contrôler la température et le taux de peroxyde. Si on met trop haut, ben, je vais réticuler mon matériau, ce que je ne veux pas. Vous voyez, c'est ce que je mets ici en bas. Si je vais trop loin, je peux aller jusqu'à de la microgélification par réticulation au-delà du branchement. Très intéressant, alors on s'est dit, ben, tiens, puisque le PLA réagit radicalairement, un peu comme le fait le polypropylène d'ailleurs, pourquoi ne pas envisager de greffer de l'anhydride maléique? Souvenez, dans mon introduction, je disais l'extrusion réactive, sa première exploitation fut le greffage d'anhydride maléique sur des polyoléphines. MAGPP, MAGPE. Excusez-moi. Donc, eh bien voilà, je prends mon anhydride maléique, mon Luperox, mon PLA. Ici, c'est un PLA commercial avec 96% d'unités L-lactite, le reste étant du T-lactite. Et on vient greffer de l'anhydride maléique sur du PLA. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche même très bien puisqu'on peut l'utiliser dans les conditions d'extrusion réactive telles que je vous ai montré avant. Et vous voyez par exemple ici, à 180 degrés, extrudé en présence de 2% d'anhydride maléique, eh bien, plus j'augmente ma quantité de peroxyde pour 2% d'anhydride maléique, plus je greffe de l'anhydride maléique. On a fait l'inverse, hein. On a gardé le peroxyde constant et on a joué sur la quantité d'anhydride maléique, évidemment. Ici, c'est une illustration parmi d'autres. Mais vous voyez ici, on peut vraiment greffer l'anhydride maléique sur le PLA avec la possibilité de garder relativement bien constante la ML. Ce qui est toujours intéressant. Et donc, on voit donc ici le PLA alone. Sans anhydride maléique, on a augmentation de la ML. Principe de taux de greffage de plus en plus important, d'auto-branchement de plus en plus important, jusqu'à la microgélification, ce que je ne veux pas. Et le fait d'avoir le peroxyde et l'anhydride maléique, on garde ici en rouge relativement constante l'AMN. Le peroxyde augmente l'AMN par de l'auto-branchement de chaîne, voire si on en met trop ou si la température est trop élevée, la microgélification. L'anhydride maléique, lui, joue un rôle compensatoire et diminue l'AMN par réaction de scission de type bêta. C'est connu pour le polypropylène. Pour ceux qui aiment bien la chimie comme moi, ben voilà, vous avez greffage ici de l'anhydride maléique. Une fois que l'anhydride maléique est greffé, eh bien, ce qu'il peut y avoir, donc, on va ici saturer le cycle, okay, mais surtout une fois qu'il est saturé, ce que l'on peut avoir, c'est rupture ici d'une liaison carbone-hydrogène, et suite à cette rupture de liaison carbone-hydrogène, on va couper la chaîne. On va toujours avoir l'anhydride maléique greffé, hein, sous forme saturée cette fois, mais on va avoir des chaînes plus courtes. Et donc c'est des effets concomitants entre augmentation de l'AMN suite à l'autobranchement et diminution de l'AMN par réaction de scission de chaîne en position bêta qui nous permet de garder constante cette AMN. Et ça, on s'affranchit quand même de ces risques de réticulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce PLA greffé d'anhydride maléique? Eh bien, on s'amuse. On a un PLA réactif. Parce que l'anhydride maléique, quand il est greffé, il peut s'ouvrir pour former des esters. Si c'est avec un alcool, pour former des amides, voire même des imides, si c'est avec une amine. Et donc là, on peut s'amuser. On peut compatibiliser des mélanges polyester aliphatique tel que du PLA. Et vous allez voir, on a fait le greffage d'anhydride maléique sur de l'écoflex, sur le PBAT, que je vous ai montré au tout début de mon exposé aujourd'hui. On peut faire réagir de l'amidon granulaire. On peut faire réagir du talc. Tout ça pour, justement, atteindre des propriétés beaucoup plus ciblées en fonction de l'application désirée. On ne voit peut-être pas très bien ici, j'en suis désolé. Ici, c'est de l'amidon granulaire. Vous avez ici un granulaire. Ah là là, ça c'est de la lumière. Je viens près de vous pour voir si vous le voyez bien. Là, vous voyez, ça c'est un grain d'amidon ici. Un deuxième ici, un troisième là. Mais on les voit beaucoup plus difficilement là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un décollement systématique
Ça, c'est la matrice PLA. Donc, si je fais un simple mélange de granulons, de granulés d'amidon, vous voyez, là, c'est 10 microns ici, la barre dimensionnelle, avec du PLA, l'amidon est hydrophile, forcément. Le PLA est hydrophobe, il ne scinde pas. Quand je mélange par extrusion, ils ont tendance à se séparer. J'ai un matériau cassant. Si maintenant je prends le PLA greffé d'anhydride maléique, il va réagir avec les fonctions hydroxyles disponibles à la surface des granulés d'amidon. Et donc je vais donner de la cohésion. Je vais augmenter la stabilité de mon matériau. D'ailleurs, on ne voit plus de debonding, absolument pas. Tout le PLA est parfaitement attaché par l'intermédiaire de cet ester généré à la surface des granulés d'amidon, tel que montré par cette microscopie électronique à balayage sur cette facture cryofracturée, sur cette surface cryofracturée. Et évidemment, les propriétés thermomécaniques s'en voient améliorées. On ne voit plus ce debonding, fracture adhésive, fracture cohésive. Pour terminer mon propos ce jour, ce qu'on a fait avec le PLA, on peut le faire avec un polymère pétrosourcé mais biodégradable, l'Ecoflex. On greffe de l'anhydride maléique ici sur la partie aliphatique de ce polyester aliphatique aromatique, ici en alpha évidemment du carbonyle. On a fait exactement le même procédé que celui que je vous ai montré. Dans quelles conditions? De nouveau, extrudeuse, double vis, corps rotatif, interpénétré. Vous voyez ici les conditions. 180 degrés, luperox, anhydride malique, écoflex. Temps de résidence, moins de 5 minutes. Et on génère, pour la première fois, du MAG, donc malique anhydride grafted écoflex, avec un peu moins d'1% d'anhydride maléique, tel que mesuré par titrage en retour. De là, on ajoute à ce écoflex greffé d'anhydride maléique du talc, de nouveau par extrusion réactive, on ne change pas une équipe qui gagne, bon sang. Et ensuite, dans une troisième étape, on fait, cette fois en single screw, comme je vous l'ai dit au début, on produit un film. Puisque là, troisième étape, je dois simplement fondre mon matériau pour faire un film par soufflage. Donc, trois extrusions. La première, pour faire mon greffage d'anhydride maléique. Ma deuxième, pour faire mon mélange compatibilisé entre le talc et mon polyester greffé d'anhydride maléique. Et une troisième extrusion, qui est tout sauf réactive, celle-là, simplement pour produire du film. Et là, c'est encore la chimie qui en sort gagnant. Tiens donc. Là, vous avez les propriétés mécaniques de film soufflé avec 30% de talc. L'écoflex seul, la rigidité telle que témoignée par son module d'élasticité. Le yield stress, le ultimate stress et l'élongation à la rupture, elongation at break. 600%, vous voyez. Je prends simplement Ecoflex greffé d'anhydride maléique. Vous voyez qu'il joue quelque peu. Donc ici, j'ai 1% de greffage d'anhydride maléique avec mes 30% de talc. J'ai quand même une chute de mes propriétés, surtout en termes d'élongation à la rupture. Mais de nouveau, je mets un cata de l'octoate d'étain. Et le cata, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former, il va faciliter la réaction entre les fonctions hydroxyles en surface de mon talc et mon anhydride maléique. Je vais faire des esters. Et là, regardez l'effet. J'ai évidemment une augmentation beaucoup plus importante avec la même teneur de talc. Que je passe de 117 à 227 tout en gardant et même en augmentant, on va dire qu'on garde l'élongation à la rupture. Regardez les propriétés à la limite d'élasticité, le yield stress, il passe de 12 à 27, on fait 2,5 fois en plus. Même composition, simplement, on compatibilise par le greffage d'anhydride maléique et la catalyse d'estérification. Cette catalyse permet justement à cette fonction hydroxyle d'ouvrir le cycle saturé de l'anhydride maléique, plus maléique, mais enfin, et donc vous avez ce greffage. On l'a mis en évidence
par différentes techniques, dont l'XPS, et même l'ARMN multinoyau. Last but not least, tant qu'on y est, le temps c'est de l'argent, et si on faisait les deux premières étapes en une? On me dit, ça ne marchera jamais. Ouais, arrêtez, l'extrusion réactive, c'est extraordinaire, on l'avait bien compris. Je ne cherche pas des actionnaires. Hein. Mais voilà, on fait one step reactive extrusion for both maleation, compatibilization, melt blending. Donc, voilà, vous avez votre extrudeuse de la gauche vers la droite. J'ajoute le talc, l'écoflex, l'anhydrite maléique et le luperox. Que des composés commerciaux. Je vous ai dit, rien d'autre. Je mélange tout ici. J'ai un bel mixeur et j'alimente avec ma pompe. Et là, à ce moment-là, avec une pompe péristaltique, j'ajoute mon kata qui permet à l'estérification interfaciale entre la surface du talc et mes fonctions anhydrites de réagir. Et ensuite, une fois que je récupère mes granulés ici, je les refonds pour faire un film par extrusion soufflage. Et alors là, et ce sera mon dernier slide aujourd'hui, il est 16h. Vous avez ici ce que je viens de vous dire, hein. C'est même en une seule étape, one step, all together, hein. Un remarquable effet du catalyseur, le kata est ici, vous voyez, on retrouve les résultats préalablement obtenus, il y a quelques petites variations, hein. Mais vous voyez, on garde la même élongation à la rupture, on a ici, presque deux fois et demi l'augmentation, enfin deux fois l'augmentation du yield stress, le module double, plus ou moins. Mais ce qui est super intéressant, c'est que l'on peut augmenter la quantité de talc jusqu'à presque 50%, 48% précisément. Donc en poids, hein, pas en volume, hein, la densité du talc n'est pas la même que celle du polyester, mais, n'empêche, 48% de talc, tout en gardant une élongation appréciable, c'est pas un matériau cassant, il a encore une élongation de 240%, et forcément, ben, la rigidité augmente, puisque j'y ajoute des charges minérales intrinsèquement rigides. Et ce qu'on peut faire, c'est produire un master batch. Je pré-mélange en one step, two stage, je pré-mélange mon écoflex avec l'anhydride maléique et le talc, pour atteindre une teneur à 70% de talc. Voilà, j'ai mon master batch. Je vais avec mon master batch chez l'industriel, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il redisperse ça dans de l'écoflex qu'il achète chez BASF, pour atteindre par exemple 30%, et il forme directement son film. C'est moi qui m'occupe, dans ma société, de la production du master batch. Et donc lui, il achète mon master batch à 70% de talc, et il le redisperse avec de l'écoflex chez lui, et directement, hein, dans son extrudeuse monovis, là, il n'y a plus besoin, c'est plus réactif ni rien, puisque le greffage a déjà eu lieu avant, et vous voyez, regardez un petit peu ça, 730% d'élongation à la rupture, tout en triplant la rigidité, et en triplant quasiment les propriétés à la limite d'élasticité. Je crois que là, ça démontre à souhait l'intérêt de cette approche, approche évidemment brevetée et commercialisée. Voilà, je n'ai pas le temps pour cette dernière partie, mais voyez que l'objectif c'était déjà d'aborder les nanocomposites. Je ne vais pas le faire ici, puisque ce sera l'objet de la prochaine leçon, pas la semaine prochaine, mais la semaine après. Et ce sera à 15h et pas à 14h comme aujourd'hui. Voilà, mes conclusions seront assez claires. Finalement, ce slide les résume bien. Je pense qu'on parvient, en tout cas, avec ce nouvel outil qu'est l'extrudeuse réactive, totalement modulable, comme vous avez pu le voir, mais également accompagnée par la chimie, parce que sinon elle ne serait pas réactive. Il faut avoir ce double deal, si j'ose dire, entre ingénieur process et chimiste de synthèse des polymères, mais en les mettant ensemble,
ce qu'on fait à Materia Nova à l'Université de Mons, hein, et dans la société Gaetu, qui fut fondée maintenant en 2011 déjà, sous le nom de Nanofor au début, mais qui est devenue Gaetu plus récemment, on a simplement changé le nom pour augmenter le scope de ses objectifs. Et ces genres de réactions que l'on fait à la demande de partenaires industriels ou simplement à des fins de recherche, mais c'est vraiment extrêmement versatile. Mais comme toujours, c'est pas parce que c'est versatile qu'il ne faut pas être précis et avant tout bien réfléchir aux conditions dans lesquelles on veut opérer ces réactions. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et merci aux étudiants à distance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Pour le principe de l'extrusion, est-ce que les molécules qu'on met dedans sont obligées d'être pures ou on peut utiliser des mélanges réactionnels non purs pour éventuellement faire des réactions sélectives ? Oui, c'est tout à fait envisageable. Tu as entièrement raison, mais comme je le disais même, ça va contre le principe même de l'extrudeuse, puisqu'on ne veut pas de sous-produits. Tout ce qu'on met dedans, on veut le récupérer en tant que tel à la fin. Mais on pourrait imaginer, à la fin, que par un etching, par exemple, dans une solubilisation sélective, on élimine le produit qu'on ne voulait pas, et on ne garde que celui qu'on veut. C'est possible. Mais comme on travaille en continu, pas de solvant, pas de sous-produits, tout ce qu'on met dedans doit ressortir tel quel. Si on a ce même phénomène avec les impuretés, est-ce que c'est pas possible du coup d'utiliser ça pour à la fois faire la réaction et purifier le produit ? Oui, mais ça veut dire. Mais alors, il faudrait que ce sous-produit soit volatile, par exemple. Avec un évent, on peut l'éliminer. Ça, c'est possible, tout à fait. Mais je crains que l'efficacité ne soit pas suffisante que pour atteindre un taux de purification suffisant. Donc généralement, ce que l'on fait, on essaie d'avoir un taux de pureté des entrants suffisant, éliminer des sous-produits qui sont créés en cours de réaction éventuellement, mais souvent, on a essayé par exemple de faire de la dévolatilisation, au début avec le lactite, le taux de monomère résiduel était trop élevé. On dépassait 10% et ça, c'était pas possible. Et c'est là qu'on a eu l'idée, on va mettre un évent, on va essayer de chasser le monomère. Ça marchait, mais on éliminait 2-3% du monomère. Et au contraire, on a dit non, on va complètement fermer, on va créer de la pression, on va mettre du kneading element à la fin, on va augmenter la pression jusqu'à 85 bar, parce qu'en augmentant la pression, tu déplaces la concentration du monomère à l'équilibre avec le polymère en croissance. Et donc, on forçait le monomère à réagir plutôt qu'à rester spectateur inerte à devoir enlever après. Donc, oui, c'est une réflexion que je n'avais pas encore eue sur là. Voilà. Mais on pourrait imaginer, moi je pense à autre chose, hein, quand tu m'as posé la question, ben là, j'ai un composant que je ne veux pas, mais il y en a un des deux qui réagit, je le fais réagir et à la fin, je profite de la réaction pour me débarrasser de celui que je ne veux pas. Mais alors là, par une mise en solution sélective, par exemple, ça on pourrait imaginer, oui, effectivement. C'est OK ? Eh bien, au plaisir de se revoir pour ceux qui veulent, en présence ou en distance, dans 15 jours. Merci, au revoir. Merci.